20 novembre, journée de l'industrialisation de l'Afrique. À l'instar d'autres pays, Madagascar célèbre ce jour la journée de l'industrialisation de l'Afrique, placée sous le thème « La promotion des chaînes de valeur régionales en Afrique, un moyen d'accélérer la transformation structurelle, l'industrialisation et la promotion pharmaceutique de l'Afrique ». Cette commémoration cherche à renforcer la conscience et la compréhension des opportunités et des défis associés au progrès de l'industrialisation sur le continent, à mobiliser les dirigeants africains, les décideurs politiques, le secteur privé et les partenaires coopérants pour le développement en vue de renforcer le dialogue sur le programme d'industrialisation panafricain en mettant l'accent sur la manière dont le développement des chaînes de valeur régionales peut être un catalyseur majeur du renforcement des capacités de production industrielle. Une table ronde a été organisée aujourd'hui par la Fondation Friedrich Ebert de Stiftung pour célébrer cette journée. Le secteur de production, notamment de production de base, n'apporte pas assez de richesses pour Madagascar. Les chiffres le démontrent. 25% pour le secteur primaire, 15% pour le secteur secondaire. Ça veut dire 40% seulement des richesses à Madagascar proviennent des secteurs où se trouve la majorité des forces de travail, du capital humain. D'où la pauvreté. Parce qu'il n'existe pas un retour de cette croissance vers cette grande majorité de la population qui ne participe que peu dans cet élan de création de richesse à Madagascar. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que qu'est-ce que nous avons sur la table pour adresser cette question, pour faire face à cet enjeu de développement? Nous avons une économie qui se recherche, bien sûr, fondée sur le secteur de services. Et malheureusement, cette économie est largement informelle. Une pléiade de personnalités figurait comme panéliste de cet événement, pour ne citer que l'Union européenne, la Banque africaine de développement, l'UDBM et bien d'autres encore.